Et c'est reparti avec Commandant Shepard. Alors. Ouais, donc là on avait fait un peu de grabuge là. On était dans un complexe. Ouais, il y avait tout ça que j'avais pas regardé. On est dans un petit complexe de Noveria pour être. Enfin, on est dans le pic numéro 15 où il y a. Donc. La matriarche qui est cachée. Et a priori ils ont des labos où ils font plein d'expériences et tout. Et donc on avance là-dessus parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de vilaines bêtes. Ah c'est là que je suis pas allé peut-être. Ah c'est bien comme ça. Voilà. Non mais. RS, commandant. Ouais, je sais. Oh, c'est l'histoire de gagner de l'XP, ça. Merde, putain, pas grimper. Ok. Avançons. Ah, tiens, tiens. La cafette. Petit café. Hop là, on enlève ça. Allez, on sauvegarde. L'ascenseur. Ouais. Ah, ça sent le grabuge. Oula, il y a du monde là-dedans. Besoin de faire en fait là. C'est l'alimentation de secours de l'ordinateur central, je sais pas. Erreur de lancement. Interface de l'intelligence virtuelle déconnectée. Redémarrage manuel nécessaire. Ça pue. C'est plus le piège. Ok, inaccessible. Ok, technique. Ils sont où mes potes là? On va payer. Parce que là, franchement, je comprends derrière ce qu'il fallait faire. Quoi ce bordel? Vous semblez vouloir remettre le complexe en état de marche. Puis-je vous aider? Tu es l'intelligence virtuelle qui gère cette station, c'est bien ça. Mes concepteurs m'ont appelé Mira. Puis-je connaître votre nom? Commandant Shepard, je travaille pour le ministère des Affaires spéciales et tactiques de reconnaissance. Veuillez patienter. Autorisation du Conseil confirmée. Vous disposez d'un accès sécurisé à l'ensemble des systèmes. La consultation de données confidentielles requiert un accès privilégié exclusivement réservé aux membres de Twin Helix. Je suis prête à répondre à vos questions. Vous pouvez me consulter depuis n'importe quelle borne holographique du pic numéro 15. Où se trouve la matriarche Benezia? Dame Benezia a pris le téléphérique pour se rendre aux laboratoires annexes de la station de la faille. Alerte utilisateur. Le téléphérique est actuellement inopérant. Quelle est la situation ici? Veuillez patienter. Diagnostic en cours. Échec critique. Désactivation du réacteur principal en application du protocole d'urgence. Réactivation manuelle nécessaire. Échec critique.
Ligne terrestre déconnectée. Téléphérique inutilisable. Fin du rapport. Avez-vous besoin d'informations complémentaires? Tu sais pourquoi le réacteur a été désactivé? Désolée, je n'étais pas en ligne à ce moment-là. Une coupure du réacteur peut avoir plusieurs causes, parmi lesquelles un risque de brèche du noyau ou un défaut d'isolation majeur des laboratoires. Le guide des mesures d'urgence estime que l'environnement glacial détruira tout agent pathogène biologique, voire mécanique. On coupe le chauffage et on croise les doigts pour que le méchant virus soit du genre frileux. Super. Qu'est-ce que je dois faire pour rétablir le courant? L'arrivée d'Hélium 3 doit être rétablie. Pour ce faire, utilisez les commandes sur le réacteur lui-même. Raconte-moi ce qui s'est passé ici. Désolé, votre requête n'est pas assez précise. Dis-moi ce qui s'est passé juste avant ta déconnexion. Alerte de niveau 1 au laboratoire. Fuite des agents pathogènes contenus dans le module Gamma. Mise en place des protocoles d'urgence. Alerte de niveau 2 au laboratoire. Brèche du tube d'isolation. Fermeture des téléphériques. Déconnexion de la ligne terrestre. Alerte de niveau 3 en plusieurs endroits du complexe. Présence d'agents pathogènes dans les tunnels de téléphériques. Fermeture de la station et début de la procédure d'évacuation. Envoi du code Omega. Ok. Ces agents pathogènes, de quel type sont-ils? Désolé, commandant. L'accès aux données concernant nos recherches est exclusivement réservé aux membres de Twin Helix. Ouh. Les créatures qu'on a rencontrées, elles viennent des labos? Désolé, commandant. L'accès aux données concernant nos recherches est exclusivement réservé aux membres de Twin Helix. Pourquoi as-tu été déconnecté? Dans l'éventualité d'une stérilisation totale du pic numéro 15 pour raison de sécurité, mon programme et mes données sont effacées. Donc, si quelque chose tourne mal, il te tue. Mes systèmes sont définitivement désactivés. Pour être tué, il faudrait que je sois en vie. Je ne suis qu'une vaste base de données. Ok. C'est tout pour le moment. Très bien, commandant. Je ferme votre session. Alerte utilisateur. Désactivation du réacteur principal en application du protocole d'urgence. Réactivation manuelle nécessaire. Alerte utilisateur. Oh, ligne terrestre désactivée. Téléphérique immobilisée. Là, il y avait plein de trucs. Ça, c'est quoi ça? Oh, ça craint. Ça craint un peu tout ça. Ça va vers où ça? Attends, y'a pas une carte. Le réacteur, ok. Ah merde, quel coin. Et là, ça va vers le toit. Oh, on a eu le réacteur là. Entrée dans la salle du réacteur. Alerte utilisateur. Désactivation du réacteur principal en application du protocole d'urgence. Réactivation manuelle nécessaire. Oula, il y a l'air d'y avoir des méchants là-dedans. Vous êtes prêts les gars? On va sauver mon cul. Ah. Putain, ça pue le guette. Digel, ok. Ok, ok les gars. Alerte utilisateur. Désactivation du réacteur principal en application du protocole de défense. Réactivation manuelle nécessaire. Alerte utilisateur. Ligne terrestre désactivée. Téléphérique immobilisée. Ok.
Ah, oh, il y en a un autre là-bas. Putain, il est où l'autre? Hop là, raté. Ah, tu l'as dans l'os. Alerte utilisateur. Désactivation du réacteur principal en application du protocole d'urgence. Réactivation manuelle nécessaire. Alerte utilisateur. Ligne terrestre désactivée. Téléphérique immobilisé. Bouclier perdu. Aïe. Merde, il y aura un peu. Il y aura d'autres. Oh putain. Oh putain. Putain. Ok, superbe. Alerte utilisateur. Désactivation du réacteur principal en application okay. du protocole d'urgence. Réactivation manuelle nécessaire. Alerte utilisateur. Ligne terrestre désactivée. La ligne d'arrivée d'H3 est coupée. Ouais, ok. Bon, faut qu'on aille là. Ok. Alerte utilisateur. Ligne terrestre désactivée. Téléphérique immobilisé. Fonction activée. En quoi puis-je vous être utile? Parle-moi des lignes terrestres. Pourquoi sont-elles désactivées? Les lignes terrestres relient les ordinateurs de la station centrale à ceux des complexes auxiliaires. Le personnel peut ainsi accéder à mes bases de données sans avoir à quitter son lieu de travail. Lors de la mise en place des protocoles d'urgence, le câblage des laboratoires a été automatiquement éjecté. Comment reconnecter les lignes terrestres? Les lignes terrestres sont conçues pour être reconnectées facilement. Le routeur des lignes terrestres se trouve sur le toit du bâtiment okay. administratif. Il vous suffit de le réinitialiser pour reconnecter automatiquement le matériel. C'est tout pour le moment. Alerte utilisateur. Ligne terrestre désactivée. Okay. Téléphérique immobilisé. Merde, c'est où? Ah oui, c'est là. Je prends l'ascenseur. Et tout le monde! Et les copains. Bon. Putain, Liara, Qu'est-ce qu'elle meurt facilement? Bon, ben, allons sur le toit. Hein. Oh putain. Alerte utilisateur. Ligne terrestre désactivée. Téléphérique immobilisé. Salaud. Allez, allons sur le toit. Let's go. Ascenseur. Sortie vers le toit. Alerte utilisateur. Ligne terrestre désactivée. Téléphérique immobilisé. Occupez-vous-en. Oh putain. Mais ce n'est pas des gens. Putain, mais tu n'es pas devant, putain. RS, commandant. Avec tout ce que t'es morte.
Fonction activée. Non, en quoi puis-je vous être utile? C'est tout pour le moment. Très bien, commandant. Je ferme votre session. Bien. C'est là. Ah, je peux pas. Oui. Un pare-feu, machin, tout ça. Ah. Ok. Ah, je suis trop fort. Bon, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Connexion rétablie. Traitement des nouvelles données. Alerte utilisateur. Échec de la connexion au laboratoire. Parle-moi de ces agents pathogènes. Des agents biologiques pathogènes sont présents dans la chambre de décontamination des téléphériques. Les téléphériques ont été immobilisés par mesure de sécurité. Activation du système de décontamination recommandé avant tout accès. Que dois-je faire pour activer le système de décontamination? Les commandes du système sont situées près du poste de sécurité, à l'entrée de la zone de décontamination. Alerte utilisateur, système de décontamination inopérant. Comment restaurer le système de décontamination? Le système de contrôle a subi une défaillance matérielle. Vous pouvez y remédier à l'aide d'un Omnitech standard. C'est tout pour le moment. Très bien, commandant. Je ferme votre session. Ok, on ouvre ça où là du coup? Raté. Ah, équipement. Donner celui-là au cas où je sais pas exactement ce qu'elle utilise. Précision. Utiliser ça aussi. Oh. Ok. Ah ouais, mais putain, j'aurais dû faire gaffe. Voilà. Bah putain. Elle va vraiment mourir. Hein. Allez. Ok. Alors, ouais, ce que je vais regarder, c'était le journal. Là. Faut que je trouve un téléphérique. Ok. Je crois qu'il y avait une porte qui est encore verrouillée, je pense que c'est ça en fait. Pense que c'est ça. On va mettre ça parce que d'ici à ce qu'ils m'en mettent un vilain. Pour l'instant non. Ah, je savais bien. Voilà. Je savais bien. On contrôle le périmètre. Bah oui. Hop, un petit ascenseur.
Entrée dans le sas de décontamination. Alerte utilisateur. Présence d'agents pathogènes dans la chambre de décontamination. Accès fortement déconseillé. C'est pas grave ça. Ils sont coincés. Nous devrions pouvoir ouvrir cette porte. Il semble qu'elle conduise au téléphérique qui mène aux stations annexes. Attention ! Quoi, attention ? Le groupe de contrôle rôde un peu partout dans les labos. Les sondes sont dingues. On va tous y passer. Ils viennent par les tunnels. Personne n'a réussi à activer notre destruction. Pardonnez-nous. Ne restez pas là. Fuyez. Il s'est suicidé. Parce qu'il était impliqué dans l'accident. Dans mon peuple, les corps des suicidés sont jetés aux charognards. Ici, ce sont les Natak qui vont s'en charger. Ok. Je sais plus ce que je voulais faire. Commando. Non, ouais. Hein? Non. C'est l'équipement de Vrex. Qui lui. Est-ce que lui il a des super trucs là? Perforant 3. Non, mais attends. Voilà. Et ouais, bah toi là-dessus. Alors par contre là. C'est pas mal. Ça tu vas le prendre. Voilà. Fonction activée. Connexion à l'ensemble des installations auxiliaires. En quoi puis-je vous être utile? Raconte-moi ce qui s'est passé ici. Désolé, votre requête n'est pas assez précise. Je veux un rapport de situation sur les labos fortifiés. Désolé, mais les connexions réseau des laboratoires sont endommagées. L'accès à ces données est restreint. Quel est le statut de la station de la faille? L'accès à la station de la faille est interdit sur ordre du personnel. Aucun agent pathogène détecté à l'intérieur du complexe. Pourquoi l'accès à la station est-il interdit? Afin d'éliminer tout risque de contagion, les procédures d'urgence prévoient une isolation. Il semble en outre que certains membres du personnel soient retenus en quarantaine et reçoivent des soins médicaux. Comment faire pour entrer dans le complexe? L'accès au complexe se fait par téléphérique. L'accord des forces de sécurité est ensuite nécessaire pour y pénétrer. C'est tout pour le moment. Très bien, commandant. Je ferme votre session. Putain, réparer la bombe. Mais comment est-ce qu'on fait pour entrer là-dedans, là, du coup? Je vais rentrer là. Oh. Ah, chier, bordel de merde. Allez, rentrez. Fonction activée. Connexion à l'ensemble des installations auxiliaires. En quoi puis-je vous être utile? Parle-moi de ces agents pathogènes. Des agents...
Les téléphériques ont été immobilisés par mesure de sécurité. Activation du système de décontamination recommandé avant tout accès. Que dois-je faire pour activer le système de... Les commandes du système sont situées près du poste de sécurité, à l'entrée de la zone de décontamination. Alerte utilisateur, système de décontamination inopérant. Comment restaurer le système de décontamination ? Le système de contrôle a subi une défaillance matérielle. Vous pouvez y remédier à l'aide d'un Omnitech standard. Ouais, mais sauf que moi, j'ai pas. Allez, ouvre. Déverrouille la chambre de décontamination. Alerte utilisateur. Présence d'agents pathogènes dans la chambre de décontamination. Accès fortement déconseillé. Merci, je sais. Très bien, comment... Chambre déverrouillée. Vous pouvez entrer. Allez. C'est tout pour le moment. Très bien, commandant. Je ferme votre session. Allez, les gars. Ouah, y'a pas grand-chose. Ah, y'en a un vers là. Ouais, y'avait que ça. Oh, c'est bon. Il en manque un. Peut-être derrière. Wow, c'était violent. Ok, désolé, Yara. Périmètre nettoyé. Bah ouais, ça, tu l'as bien nettoyé. Ouais. Allez. Y'a autre chose à faire là-dedans ? Ah tiens, comment ça se fait que je suis tout seul ? Allez, on est là. Sans la bagarre par là. Ok. Départ de la station centrale. Destination, station de la faille. Alors. Oh. Jingle pub. Arrivé à la station de la faille, complexe de recherche de Twin Helix. Ok. En bas. Ok, bon, je vais là. Là, on va activer les ascenseurs. Ah non, ce sont des gardes. Baissez vos armes. Désolé, impossible de savoir avec certitude ce qu'il y avait dans ce téléphérique. Ces insectes arrivent à opérer une nacelle. Ça, j'en sais foutre rien. Mieux vaut se dire que tout est possible. Écoutez, vous êtes humain, ça suffit pour que je ne vous tire pas dessus. Mais j'aimerais bien savoir qui vous êtes. Je m'appelle Shepard. Je suis un spectre. À cheval de nez, on ne regarde pas les dents, comme on dit. Surtout si le cheval en question a un énorme flingue. Les labos fortifiés sont tombés la semaine dernière. Seul Han Olar a réussi à en sortir. Et encore, ça ne tourne plus rond là-haut. Avant qu'on ne se rende compte de quoi que ce soit, ils étaient déjà dans mon poste de commandement. On avait plus d'hommes que maintenant. Vous avez été pris par surprise et vous aviez des civils à protéger. Beau travail, capitaine. Vous trouvez ? Ce n'est pas l'impression que j'en ai. Le comité a envoyé une Asari pour gérer le bazar.
Elle est partie pour les labos fortifiés hier. Plus de nouvelles depuis. Je ne vais pas vous laisser mourir, vous et vos hommes. Tout ce que je peux faire, c'est rester ici et protéger les civils. Il y a un ascenseur d'urgence près des téléphériques que vous pouvez activer avec cette carte. Il vous emmènera au labo. Si vous avez besoin de soins, le docteur Cohen est en bas, à l'infirmerie. Vous êtes sûr que la matriarche est encore dans les labos fortifiés? En tout cas, elle n'est pas revenue ici. Et vu que vous êtes passé par la station centrale, c'est qu'elle n'y est pas non plus. Les insectes venaient de l'intérieur du complexe ou bien de l'extérieur? Vous voulez mon opinion personnelle? Les labos de ce genre n'existent que pour provoquer une catastrophe stupide qui tue plein de monde. Parlez-moi de l'agencement des labos fortifiés. Ils sont construits au cœur d'un glacier très ancien, épais et stable. Si quelque chose va de travers, ils n'ont qu'à le réchauffer et le laisser couler dans la glace. En temps normal, le personnel accède au labo par téléphérique. Nous, on dispose d'un accès direct par ascenseur, mais seulement en cas d'urgence. Entre vous et moi, je ne vais pas envoyer mes hommes au casse-pipe. On se comprend? Ouais, pas de problème. Comment va le moral de vos troupes? On ne s'attendait pas à la première vague. Ils sont parvenus à entrer. On a perdu pas mal de gens de valeur. Ceux qui restent sont en sous-effectif. On a réussi à tenir en allongeant l'écart et en utilisant les stimulants. Je n'aime pas ça, et je ne vois pas d'alternative. Je veux en savoir plus sur ce qui se passe dans les labos fortifiés. Le complexe a été déconnecté du réseau. La seule façon d'en savoir plus, ce serait de faire descendre des éclaireurs, mais je ne vais pas envoyer mes hommes à une mort certaine. Bon. J'ai du travail. Ça, je veux bien Merde! Surveillez le périmètre! Attention! Oh putain. Saloperie. Merci pour le coup de main. Plusieurs fois par jour, un groupe arrive par le tunnel du téléphérique. Ça s'est amélioré depuis qu'on a verrouillé l'ascenseur. Je ferai ce que je peux. Je ne comprends pas pourquoi ils se lancent droit sur nos défenses. Même des animaux finiraient par comprendre que ça ne marche pas. Bizarre. Bon. Est-ce qu'on peut aller là? Il y a rien. Faites partie d'une équipe de chercheurs? Je viens de les rejoindre, oui. Quel domaine? Génétique moléculaire. Je suis spécialisée dans l'hybridation d'allèles biotiquement modifiés. Et en galactique, ça donne quoi? C'est lié à la génétique, oublions ça. Vous connaissez la matriarche Benetia? Pourquoi me posez-vous la question plutôt qu'à votre amie? Parce que je ne connais pas la matriarche. Et vous croyez que moi, je la connais? Cette situation semble moins vous ennuyer que les autres. C'est une des vertus de la méditation que vous avez interrompue. Ouais. Parlez-moi un peu de vous. Je m'appelle Alestia Yalis, de l'université d'Oreis. Vous voulez savoir quelque chose en particulier ou je vous débite mes anecdotes croustillantes? Pas la peine d'être si désagréable. Vous interrompez ma méditation. Que puis-je faire pour que vous quittiez les lieux? Vas-y, rien. Pardon, je m'en vais. Dans ce cas, je retourne à ma méditation. Indécis, je vous souhaite la bienvenue. Prudent. Je suis curieux de savoir ce que vous faites ici. On m'a dit qu'il y avait des problèmes par ici. Circonspect, je suis inquiet de l'état de nos gardes. Certains n'ont pas dormi depuis plusieurs jours. Sourire de façade,
Je dois reconnaître que pour l'instant, je n'ai pas grand-chose à vendre. Montrez-moi ce que vous avez. Malheureux. Le capitaine Ventralis s'est approprié la plupart de mon stock. Ah, c'est pas grave. C'est dur, une pas dingue. Ok. Là, tout ce qui est niveau 4 par exemple, 4 ou 5, je crois qu'il y en a pas. Et voilà, Huntless. Ça, ok. Tarpalon. Quoi? Non. Désolé, je n'ai pas beaucoup dormi depuis l'attaque. Vous avez besoin de quelque chose? Je cherche une Asari. Une Asari? Il y a bien le docteur Yalis là-bas. Il y a également notre invité, Dame Benezia. Le capitaine Ventralis saura peut-être où la trouver. Quel genre de travail vous faites ici? Je ne peux pas le dire. J'ai signé un contrat de confidentialité. Si nous survivons, j'aimerais garder mon travail. Cet endroit est terrible, mais on gagne plus que dans les autres labos commerciaux. Vous n'êtes pas content d'être au pic numéro 15? Le monde extérieur n'existe pas ici. Dehors, des murs de glace et de pierre. Dedans, travail, travail, travail. On a vite fait d'oublier pourquoi la science est dirigée par l'éthique. C'est peut-être ce que nous sommes en train de payer. Intéressant. Que savez-vous sur les labos fortifiés? Rien, je ne travaillais pas là-bas. Tout ce que je sais, c'est que Anne Hollard est le seul survivant. Où est-il? À l'infirmerie? Non, il s'est installé dans les quartiers de l'équipe scientifique. Ne soyez pas trop brusque avec lui. Il en a vu de toutes les couleurs. Ok, intéressant. Vous tenez le coup? Entre moi et le gars qui m'a aspergé de bouts de cervelle, je ne suis pas forcément le plus mal loti. On manque tous de sommeil depuis l'attaque. Bien sûr, on n'est pas tous armés. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis toxicologue. Je ne peux pas parler de mon travail, même si je ne fais pas grand-chose depuis l'accident. Il y a eu un accident? Je ne peux pas parler de ce qui s'est passé. Pas ici. Il y a trop de monde. Parlez au docteur Cohen, il est à l'infirmerie. C'était le chef de projet. On se parlera plus tard. N'oubliez pas de déclarer tout bruit suspect. Allons à l'infirmerie. Je pourrais soigner. Accrochez-vous! Je savais que vous auriez un remède. J'aime pas le... Quoi? Que voulez-vous? Je ne voulais pas vous ennuyer. Non, non, vous n'avez rien fait de mal. Je suis distrait, c'est tout. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils sont infectés par une toxine. Il y a eu un accident. J'ai signé un contrat de confidentialité. Je ne peux pas en parler avec quelqu'un d'étranger à la société. Mais vous allez le faire, parce que je pourrais vous aider. On va dire que la société donne plus d'importance à nos vies qu'à ses secrets. Vous connaissez Mira, l'intelligence virtuelle du pic numéro 15.
Elle gère les protocoles de sécurité des expériences menées ici. On l'a réactivée en allant à la station centrale. C'était vous ? Merci. Tant qu'elle n'est pas en ligne, l'équipement automatique ne fonctionne pas. Nous avons perdu la connexion avec Mira au beau milieu d'une expérience, et la quarantaine a été interrompue. Ces trois-là ont été exposés à une toxine, un projet sur lequel on travaillait. Je comprends votre prudence, mais j'ai besoin d'informations. Ce que vous direz restera entre nous. C'est une arme biologique. Elle est basée sur la forme de vie exogène que nous avons découverte à la frontière. Ils voulaient quelque chose qui puisse détruire cette créature. Mais un produit destiné à éradiquer une seule espèce ne présente pas d'intérêt financier. On l'a donc amélioré. On l'a adapté pour qu'il puisse s'en prendre à d'autres espèces. La Tauros B s'attrape facilement, mais elle ne peut pas passer d'une personne à une autre. C'est comme une attaque biologique sans risque de pandémie. Vous croyez que cette distinction rend vos projets plus éthiques ? Tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre, les militaires finiront par mettre la main sur ce genre d'armes. On essaie de limiter les dégâts. Je sais que vous ne pouvez pas le comprendre. Si les conventions de la Citadelle interdisent les armes biologiques, c'est qu'il y a de bonnes raisons, docteur. Je ne m'attends pas à ce que vous compreniez. Nos documents et notre équipement sont enfermés dans les labos de quarantaine. Le capitaine Ventralis ne veut prendre aucun risque de contamination supplémentaire. Il a raison d'empêcher les gens d'entrer. Non, la toxine ne reste pas viable très longtemps. Ensuite, elle se rompt en une multitude de chaînes de protéines. Mais il refuse de m'écouter. Je vais essayer de lui parler. Je peux peut-être le convaincre de me laisser essayer. Je ne peux pas officiellement vous demander de le faire. Mais si vous pouvez faire quelque chose, je vous en serai très reconnaissant. Comment trouver un remède pour ces trois-là ? Les labos de quarantaine sont situés près des quartiers de l'équipe scientifique. Une fois à l'intérieur, cherchez nos documents. Ça ne devrait pas être plus compliqué que ça. À plus tard. J'espère que vous trouverez une solution. Ok. La carte a été mise à jour. Ah putain. C'est super. J'avais un petit point. On est. Ok, ça c'est la sécurité et tout, et là donc ça nous emmène vers le labo sécurisé. Il faut que je retourne là-bas voir le capitaine Ventralis. Ok. Il y a la caserne des gardes. Télé scientifique, la caserne des gardes. Ok, bon là il y a juste compétences insuffisantes, super. Compétences insuffisantes, oh bah super, bien fait de venir. Hop là. Par là, la quarantaine. Ok, bon, on va faire ça dans les règles, on va demander au chef. Allez chef. Vous avez besoin de quelque chose ? J'ai entendu parler des problèmes rencontrés dans le labo de quarantaine. J'aimerais retrouver le remède à la toxine. Écoutez, je ne demande qu'à aider ces gens, vraiment. On ne peut pas prendre le risque d'être contaminé. Nous ne faisons pas partie de votre plan de défense. On ne fait que consommer des rations et du médigel en plus. Ouais, mais vous avez également des armes en plus. Très bien. Vous voulez mettre votre vie sur la sellette, c'est vous que ça regarde. Je vais m'arranger pour que le garde vous laisse entrer, mais il verrouillera la porte derrière vous.
Il vous fera subir un scan complet avant de vous laisser sortir. S'il y a le moindre problème, vous restez à l'intérieur. Ce sont des précautions raisonnables. Je vais mettre le garde au courant par radio. Bonne chance. J'ai du travail. Et moi donc. Ah, mais non, mais... C'est vous. Ok, donc là t'as mis le garde au courant, donc là on peut retourner là-bas. Ok les gars. Putain, c'est une porte quoi. Donc là. Ok. On sort vers un labo sécurisé. Labo de quarantaine. Ok. En savoir plus sur eux, pas vrai? Vous parlez de ces choses dehors? Oui, je suis le seul survivant du laboratoire, vous savez. Je veux en savoir davantage sur ces choses. Sur les Rachnies? Des Rachnies? C'est grotesque. Comment sont-ils arrivés jusqu'ici? Ça a commencé dans une épave de vaisseau. Un œuf resté en stase depuis les dernières batailles. Quand ils l'ont rapporté... La ferme? Mon Dieu, vous tenez vraiment à nous faire descendre? C'est pas moi qui décide du destin de chacun, ici. Et vous? Pétez les plombs si ça vous chante, mais... en silence. Oh non, j'y vois clair. Trop clair, même. Faites-moi un topo détaillé sur les Rachnies. Je vous ai dit tout ce que je savais. Nous avons ramené les Rachnies du pays des morts. Pas très judicieux, si on y repense. Il paraît que vous étiez dans les labos fortifiés. Comment avez-vous fait pour en sortir en vie? Je l'ai tué. Qui? Le docteur John, moi. On allait déjeuner quand la sirène s'est mise en marche. J'ai sauté dans le téléphérique, fermé les portes. Elle a frappé une fois à la fenêtre et puis... ils l'ont découpé en morceaux. J'ai vu sa tête sauter comme un bouchon de champagne. En fermant la porte, je l'ai tué. Dites-moi ce que vous savez et vous pourrez non seulement survivre, mais vous racheter. Vous croyez que je cherche l'absolution? Il n'y en a pas. La matriarche Benezia peut survivre dans les labos fortifiés? Possible. Les spécimens étaient réactifs à la biotique. Je vous laisse. C'est ça. Bon. Celle-là, elle est impayable. Je ne sais pas comment tu arrives encore à plaisanter. C'est un atome d'hydrogène qui dit à un autre. Tiens, j'ai paumé mon électron. Et... là j'ai... putain... là j'ai ça, là... ça. Le mess, non. Je la connais. L'autre répond, t'es sûr? Et là il y a le premier qui fait... positif. Tu sors. Non, c'est suffisante. Ah, merde. Ok. Merde.
mais quel con. On y retourne, hein. Pardon. Ouais, faut que j'aille. Du coup, faut que je monte vers là où il y a le garde. Ok, ouais, j'avais pas fait gaffe. Vous faites pas partie de mon équipe. Ventralis m'a donné la permission d'entrer. Ouais, il m'a averti. Et vous devrez aussi prouver que vous n'êtes pas contaminé pour sortir. Si vous tenez tant que ça à crever, montez la garde sur la barricade, ça marche pas mal aussi. Votre mission se termine ici, Shepard. C'est ce qu'on va voir, sale garce. Vous êtes une espionne pour le comte de Benezia. J'ai reçu l'ordre de vous éliminer à la première occasion, et vous voilà coincée dans ce labo. Feu à volonté! Ok. Ok. Sont sortis de là. Vous voulez dire les êtres non organiques qui accompagnaient la Sari? Benezia les a amenés avec elle. Faites-moi un topo détaillé sur les Rachni. Je vous ai dit tout ce que je savais. Nous avons ramené les Rachni du pays des morts. Comment accéder à la zone de maintenance? Un chef d'équipe y aurait accès. Le docteur Cohen, par exemple. Il est à l'infirmerie. Je vous laisse. C'est ça. Non, mais nous, on va aller là. Putain, ben non, faut aller voir Dr. Cohen. Et chier. Ils allaient retour à la con, hein. Allez, on va voir le docteur. Ah bah oui.
Attends, je sais plus si j'ai sauvegardé ou pas. On va le refaire dans le doute. Allez, let's go. Point d'interrogation. Vous n'allez pas au laboratoire par hasard? D'où sont-ils sortis? Ils étaient dans le labo? Je ne suis jamais allé dans les zones à haute sécurité. Soulagé. Vous allez bien, tant mieux. Montrez-moi ce que vous avez. Malheureux. Le capitaine Ventralis s'est approprié la plupart de mon... Ok, Non, c'est peut-être... Non, putain. Ah. C'est ça, est-ce que c'est le remède? Vous avez réussi? Cette scientifique Asari, celle du réfectoire, elle vient d'essayer de nous tuer. Alestia? Non. Eh si. Je ne sais pas grand-chose à son sujet. Elle est arrivée il y a un mois. Un des actionnaires a usé de son influence pour la faire venir ici. Laissez-moi deviner. Sa reine, le spectre. Oui, je crois que c'est ça. Je ne fais pas très attention aux autres équipes de recherche. Écoutez, les gardes sont sur les nerfs depuis votre arrivée. Je pense qu'ils vous attendaient. Il y a d'autres labos derrière. Les gardes ne me laissent même pas passer. Il faut être muni d'une autorisation. Et la zone de maintenance, vous y avez accès? Oui, prenez mon autorisation. Mais il n'y a que de la neige là-bas. Montrez-moi cette fiole. La suite du travail de Phelps. Je savais qu'il était sur la bonne voie. Je ne pourrai jamais assez vous remercier. Désolé pour le cliché, mais vous leur avez sauvé la vie. Vous vous rendez compte? Vous auriez quelques trousses de soins en rab? Ça vaut son pesant d'or par ici. Ce n'est pas moi qui vous les ai données. Ventralis voulait les garder pour ses troupes. Je retourne à mes malades. Merci encore. Ok, cool. Il y a là-bas aussi. C'est pas ça que je voulais. Là-bas aussi qu'il faudrait que j'aille. Où il faudrait que j'aille. Labo sécurisé. Ok. Hop là, on va sauvegarder. Sauvegarder encore. Et on va aller. Ah tiens, c'est qui lui? Le docteur Palombe s'en fout. Ah ouais, ça. Putain, c'est dommage qu'il n'y ait pas de sprint. Allez, let's go, on va aller défoncer du... Mort.
C'est chiant ça. Vous n'avez pas idée du privilège qu'il y a à être mère. Car la création est un pouvoir. Former une vie, la guider vers le bonheur ou le désespoir. Ça pue ça. Ces enfants auraient dû être les nôtres. Élevés pour chasser et abattre les ennemis de sa reine. La compassion n'a pas de prise sur moi. Peu importe qui vous incluez dans cette confrontation. Yara est ici parce qu'elle le veut, pas parce que je lui ai demandé. Vraiment? Que lui as-tu dit sur moi, Yara? Que pourrais-je dire, mère? Que tu es folle? Maléfique? Dois-je leur expliquer comment te tuer? Que dois-je dire? Avez-vous déjà combattu un commando Asari? Peu d'humains l'ont fait. Je n'arrive pas à croire que vous soyez prête à tuer votre propre fille. Je me rends compte que j'aurais dû être plus ferme. Ça là. Ah bah tiens, ici ils sont là. Voilà. D'autres là encore. Non, je crois qu'il y en a deux. Je crois qu'il y en a un qui est caché. Je crois qu'il y en a un autre qui est caché. Puis il y en a d'autres encore ici. Je vais défoncer easy. Ouais, ils sont cachés, je ne peux pas sortir. Le petit père. Ah, il reste un. Voilà. Ce n'est pas fini. Nul ne peut arrêter sa reine. Mon esprit est empli de lumière.
Tout est clair. Les Rachnies n'ont pas coopéré avec vous. Pourquoi le ferais-je ? Je ne le trahirai pas. Vous n'apprendrez... Vous... Écoutez attentivement. Sa reine murmure toujours dans mon esprit. Je peux combattre ses pulsions brièvement, mais l'endoctrinement est puissant. Comment avez-vous échappé à son contrôle ? J'avais scellé une partie de mon esprit pour me protéger de l'endoctrinement, en attendant le jour où je pourrais participer à sa destruction. Je ne tiendrai pas longtemps. Vous pourriez donc m'attaquer à nouveau ? C'est possible, mais ce ne serait pas de mon plein gré, Shepard. Les gens autour de sa reine ne sont plus eux-mêmes. On se met à l'idolâtrer, à le vénérer, à faire n'importe quoi pour lui. Sauve-Règne, son vaisseau amiral, en est la clé. C'est un gigantesque cuirassé d'une puissance extraordinaire. Sauve-Règne n'est pas comme les autres vaisseaux. D'où vient-il ? Je n'en sais rien. Ce ne sont pas les Geths qui l'ont construit. Il est bien plus évolué que toute autre technologie connue. Ceux qui restent à bord sont irrémédiablement gagnés par la cause de sa reine et finissent prostrés à ses pieds, à boire ses paroles. J'ai l'impression qu'il va falloir que je la touche. L'effet est d'abord subtil. Je me croyais assez forte pour résister, mais j'ai fini par devenir un instrument volontaire, vivant pour servir. Il m'a envoyé ici pour découvrir le relais Mu. Il pense que cela le mènera à Ilos et au canal. Quelqu'un de Noveria l'a trouvé ? Il y a 2000 ans, les Rachnies habitaient dans cette zone de la galaxie. Ils ont découvert le relais. Les Rachnies ont une mémoire collective qui s'étend sur des générations. Les reines héritent du savoir de leur mère. J'ai trouvé dans l'esprit de la reine la position du relais. Il m'a fallu employer la manière forte. Comment les Rachnies ont-ils trouvé le relais ? À force de patientes recherches. Ce sont des créatures territoriales qui veulent couper tout accès à leur système. Pourquoi sa reine a-t-il besoin du relais Mu ? Il pense que le relais le mènera au canal. J'aimerais vous en dire plus, mais sa reine n'avait aucune raison de se confier à moi. Je n'étais qu'un instrument. Vous pouvez encore vous racheter. Donnez-moi ces infos. Je n'étais pas moi-même, mais j'aurais dû être plus forte. J'ai transcrit les données dans un DSO. Tenez. Il ne reste pas beaucoup de temps. J'ai transmis les coordonnées à sa reine juste avant votre arrivée. Vous devez arrêter ça. M'arrêter. Il ronge mon esprit, enserre ma colonne vertébrale. Vous devez... Vous devez... Mais... Ne pars pas. Repousse-le. J'ai toujours été fière de toi, Lyra. Sans le combat de boss. À votre tour. Oh. Oh non. Allez. Voilà. Péché, mais. Je ne peux pas aller plus loin. Ce sera vous, Shepard. Attendez. On a du Medigel. Peut-être qu'on peut... Non. Il est encore dans mon esprit. Je ne suis pas vraiment moi-même. Et je ne le serai plus jamais. Mère ! Bonne nuit, petite aile. Je te reverrai. Alors. Pas de lumière. On dit toujours qu'il y a... Ok, est-ce que là il y a des trucs à... Ah ouais. Oh oh, ça craint.
elle, c'est notre voix. Nous ne pouvons pas chanter, pas dans ces espaces confinés. Vos chants sont sans éclat. Quel chant? Qu'est-ce que vous racontez? Votre façon de communiquer est étrange, sans relief. Elle ne donne pas de couleur à l'air. Nous parlons de tous nos sens. Je sens que ça va être poilant. Nous sommes la mer. Nous chantons pour ceux tombés dans les limbes. Pour les enfants que vous croyez réduits au silence. Nous sommes Rachni. Comment faites-vous pour parler à travers elle? Notre espèce chante des caresses de pensée. Nous pinçons les cordes et l'autre comprend. L'esprit de ce réceptacle était ouvert. Elle a des couleurs pour lesquelles nous n'avons pas de nom. Mais elle arrive à son terme. Sa mélopée est douce, amère. Admirable. Les enfants que nous avons mis au monde nous ont été enlevés avant qu'ils ne puissent apprendre à chanter. Ils sont perdus dans le silence. Mettez fin à leur souffrance. Il est impossible de les sauver. Dans l'état où ils sont, ils ne peuvent que craindre. Je ne comprends pas. Pourquoi vos enfants tuent? Les chantes chiffres ont volé nos œufs. Ils veulent transformer nos enfants en bêtes de guerre, en griffes dénuées de chant. Le silence ne gêne pas nos aînés, mais les enfants, eux, ne connaissent que peur en l'absence de chant. La peur a brisé leur esprit. Je comprends. Un enfant enfermé dans un placard jusqu'à 16 ans garde forcément des séquelles. Si vous êtes sûr qu'ils ne peuvent pas être sauvés. Nous chantons notre douleur, mais c'est nécessaire. Faites ce que vous avez à faire. Avant de vous occuper de nos enfants, contemplez-nous. Qu'allez-vous chanter? Serons-nous relâchés? Allons-nous à nouveau disparaître? On n'a qu'à faire exploser ces réservoirs d'acide, là-bas. Mes ancêtres sont morts par millions pour se débarrasser des Rachni. On ne va pas les laisser revenir. Nos prédécesseurs ont laissé trop de liberté au Krogan. Voilà notre chance d'expier leur erreur. Vos compagnons entendent la vérité. Vous avez le pouvoir de nous libérer ou de renvoyer notre peuple dans les limbes du silence. Je ne veux pas détruire votre espèce. Je vais vous libérer. Vous êtes stupide. Votre peuple n'a pas combattu cette engeance. Peut-être que vous ne comprenez pas. J'aimerais avoir les Rachni à nos côtés dans le futur. Faites ce que vous voulez. Mon peuple s'en occupera en temps et en heure, comme nous l'avons fait pour les Galariens. Vous nous laissez une chance de composer à nouveau? Nous nous en souviendrons. Nous chanterons votre clémence à nos enfants. Fabuleux. L'idole des jeunes versions insectes. Vous allez vous en mordre les doigts, croyez-moi. Non, ok.
Alors attends. Non, c'est pas parce que ça va être chiant. Laboratoire fortifié. Ok. Bon, bah on va aller au laboratoire fortifié là. Ah mince, oula. Ah non, c'est attends dessus. C'est chiant, ça en va pas trop si Ouais, ça va être ça. Vous venez sécuriser le complexe ? Vous tenez le coup ? Écoutez-moi bien. Si nous ne réparons pas notre erreur, les stations de combat en orbite vont nous oblitérer. Vous comprenez ? Vous avez libéré les Rachni volontairement. J'obéis aux ordres, c'est tout. Twinelix a trouvé un œuf sur un vaisseau très ancien, qui dérivait depuis des millénaires. C'était un vaisseau Rachni. À l'intérieur, ils ont trouvé de nombreux œufs en suspension cryogénique. Et vous avez réussi à faire éclore un œuf aussi ancien? Oui. Une cryostase si longue, c'est très dur d'en sortir. C'est un miracle qu'il ait résisté au passage du temps. Twinelix voulait cloner les Rachni, les produire à grande échelle pour créer une armée. Mais à leur arrivée, ils ont compris que l'œuf n'était pas celui d'un vulgaire Rachni. C'était un œuf de reine. Après la ponte, ils ont envoyé la reine à la faille, en pensant que sans elle, bébé Rachni serait plus obéissant. Attendez, comment la reine a pu être fécondée sans mâle ? Les reines Rachni naissent avec le code génétique de leur père. Ensuite, les œufs sont emportés loin pour fonder une autre colonie. Les reines peuvent pondre en quelques heures et avoir une nouvelle colonie en quelques jours. Leur croissance est très rapide. Séparer les Rachni de leur mère n'a servi à rien. C'était la pire des choses à faire. Sans leur reine, les Rachni ne se développent pas correctement. C'est son esprit qui les éduque. Sans elle, ils sont incontrôlables. Dans ce cas, tout ce qu'on a à faire, c'est de la ramener ici. Non. Désolé, mais ça ne marchera pas. Ces Rachni sont trop dangereux. C'est triste, mais ils doivent mourir. Vous pourriez activer la bombe neutronique. Elle fonctionne comment, cette bombe ? C'est une explosion de neutrons irradiants. Ça tue tout à l'intérieur de la station et il faut s'attendre à des dégâts génétiques sur les formes de vie à proximité. Une fois la bombe armée, il va falloir jouer des flingues pour sortir. Il vaut mieux qu'on prenne le temps de souffler d'abord. Bien, très bien. J'attends ici. Ce n'est pas comme si j'avais le choix, ouais. Babushka disait toujours que je finirais mal. Bon bah let's go les gars. Connexion en cours. J'ai accès à tous les systèmes du complexe. Que désirez-vous ? J'aimerais en savoir plus sur la bombe neutronique. La bombe neutronique est un dispositif de sécurité installé dans la zone des tubes d'isolation. Elle est utilisée comme dernier recours en cas de détérioration irrémédiable du confinement.
Et elle fait quoi exactement ? La bombe neutronique est composée de deux volumes de matière fissile dont la conjonction permet d'atteindre une masse critique. Une intense énergie s'en échappe sous la forme de neutrons propulsés à haute vitesse. Il en résulte une radiation mortelle pour toute forme de vie connue dans un rayon de 500 mètres. Il serait sage de ne plus rien toucher avant d'avoir lu attentivement la notice. Cette recommandation est valable pour tous les appareils de ce complexe. Active la bombe neutronique. Désolé, je ne peux accéder à votre requête sans le code d'autorisation adéquat. Sic semper tyrann. Code incorrect. Veuillez vous rendre au poste de sécurité pour arrestation et interrogatoire. Qui pourrait nous donner ce code ? Yaroslav Tartakovsky, directeur des opérations, ou tout autre cadre supérieur de Twin Helix. À plus tard. À plus tard, commandant. Putain, Yaroslav, là. Donne-nous le code, bordel. Vous revoilà. Vous avez trouvé une clé d'activation ? Moi, ça va pas fort. Elle fonctionne comment, cette bombe ? C'est une explosion de neutrons irradiants. Ça tue tout. Qu'est-ce que je dois faire ? Les commandes pour armer la bombe sont à côté. Vous insérez la clé, et ensuite je donne le code à Mira. Oh là ! Ah ouais, tiens, toi t'es là. Bon. Ouais, c'est pas trop pratique. Hein. Ils sont à côté. Fonction activée. En quoi puis-je vous être utile ? Active la bombe neutronique. Désolé, je ne peux accéder à votre requête sans le code d'autorisation adéquat. Quelles sont les personnes ? Yaroslav Tartakovsky, directeur des opérations, ou tout autre cadre supérieur de Twin Helix. À plus tard. Ok. Centre administratif. J'imagine qu'il faut sortir d'ici, hein. Un peu naze. Allez. Fonction activée. En quoi puis-je vous être utile ? Active la bombe neutronique. Désolé, je ne peux accéder à votre requête sans le code d'autorisation adéquat. Autorisation 875-020-079, exécution locale du code Oméga. Confirmé. Exécution du code Oméga dans 120 secondes. Waouh ! Non. Tournez là-bas, les gars.
placer. Ok. Bon, il y aura peut-être deux ou trois méchants sur la route. C'est pas vous. Non, ça c'est un labo. Ah ouais, mais non, mais ça on s'en fout ça. Ah bah ok, on est directement au téléphérique en fait. Ok. Ok, très bien. Là, s'il y a Sarine qui arrive, parce que je crois qu'elle avait fait un appel. Il faut faire vite, oh, commandant. Benezia a dit avoir transmis les coordonnées du relais Mu à Sarène. Il l'a peut-être déjà emprunté. On ne peut pas le suivre. Ce relais est dans les systèmes Terminus. Les vaisseaux de l'Alliance ne sont pas les bienvenus là-bas. Et les Spectres non plus. Le canal est sur Ilos. C'est là que se rend Sarène. Et j'ai bien l'intention d'être là-bas pour l'accueillir. Sarène a sûrement mobilisé toute sa flotte autour d'Ilos. Vous n'atteindrez jamais le sol sans renfort. Il faut prévenir le Conseil pour qu'il mette une flotte à votre disposition. C'est notre seul espoir. Équipage, rompez. Joker, prévenez le Conseil, faites-leur un topo complet. À vos ordres, commandant. Ouais, mais ça craint parce que le Conseil... Aime pas ouf, le Conseil. Hop là. Et on va voir Lyra, elle a perdu son moment. Une triste. Si vous venez me parler de la mort de Benezia, c'est inutile. Elle est seule en cause. Ne jouez pas l'indifférente. C'était votre mère. Elle l'était sans l'être. Je préfère me souvenir de Benezia telle qu'elle était, avant d'être corrompue par le pouvoir de Sovereign. Votre mère vous a transmis ses traits les plus nobles, sa détermination, son intelligence, sa force. Merci pour ces paroles et pour votre sollicitude. Mais je vais bien. Benezia a choisi sa voie, et moi la mienne. Je vous suivrai jusqu'au bout, Shepard. Je dois vous laisser. Au revoir, Shepard. Allez. Bah non, on va remonter. On va aller voir les petits hop là. Les mondes dans lesquels on peut se projeter. Faire une sauvegarde et puis on va regarder ça. Regardez le journal. Course contre la montre. Sovereign. Ok. J'ai transmis les données de mission à la citadelle, commandant. On nous a confirmé l'arrivée des renforts. L'ambassadeur Oudina veut qu'on revienne à la citadelle pour faire un rapport. Le Conseil lève une flotte interraciale contre sa reine et ses guettes. Je savais qu'il reviendrait à la raison. Joker, cap sur la citadelle. Je veux voir le Normandie à la tête de cette flotte. À vos ordres, chef. Sans la fin de l'histoire, là on est hyper dirigé.
Bravo, Shepard. Grâce à vous, le Conseil peut enfin agir contre Saren. L'ambassadeur a raison. Si Saren est assez inconscient pour attaquer la citadelle, comme vous semblez le croire, nous serons prêts à l'accueillir. Nous avons placé des patrouilles près de chaque relais entre l'espace concilien et les systèmes Terminus. Vous croyez qu'un blocus va l'arrêter? En ce moment même, il est sur Ilos à la recherche du canal. Quelles mesures avez-vous prises contre ça? Ilos n'est accessible que par le relais Mu, situé au plus profond des systèmes Terminus, commandant. Si nous y envoyons une flotte, c'est l'escalade assurée vers la guerre totale. L'heure est à la discrétion, commandant. La meilleure arme de Saren était le secret. Découvert, il ne constitue plus une menace. C'est fini pour lui. Envoyer un unique vaisseau dans les systèmes Terminus, ça ne constitue pas un casus belli. Je me ferai discret. Vous avez fait sauter un dispositif nucléaire sur Virmir. Pour la discrétion, on repassera. Votre style convenait peut-être aux situations de la travée, commandant. Nous vous l'accordons. Mais cette action sur Ilos nécessite un peu plus de doigté. Nous contrôlons la situation. Sa meilleure arme n'est pas le secret, c'est le canal. Saren est passé maître dans l'art de la manipulation. Le canal est un leurre pour nous détourner de son véritable objectif, l'attaque de la citadelle. Si Saren découvre le canal, nous sommes tous foutus. Il faut aller sur Ilos. Ambassadeur Udina, j'ai le sentiment que le commandant Shepard ne veut pas lâcher prise. Les répercussions politiques sont très importantes, Shepard. L'humanité a une grande dette envers vous, mais vous commencez à devenir plus encombrant qu'utile. Espèce de salaud! Vous nous sacrifiez! Ainsi va la politique, commandant. Vous avez fait votre travail, maintenant laissez-moi faire le mien. Nous avons désactivé tous les systèmes primaires du Normandie, vous êtes immobilisé jusqu'à nouvel ordre. Vous êtes fou! Après tout ce que j'ai accompli, vous ne me croyez toujours pas? Je crois qu'il est temps pour vous et votre équipe de débarrasser le plancher, commandant. Le Conseil peut gérer la situation. Avec mon aide, bien entendu. Commandant, Shepard ? Je n'arrive pas à croire qu'ils aient agi ainsi. Je compatis sincèrement. Je leur sers la vérité sur un plateau et j'ai droit à ça. C'est injuste, alors que vous aviez surpassé leurs attentes. Personne d'autre n'aurait pu faire ce que vous avez fait. Le Conseil vous doit tout, tout! Et en guise de remerciement, il vous retire le commandement du Normandie. Qu'il me punisse, peu importe. Mais qu'il ne fasse rien contre sa reine, c'est inexcusable. Si on ne l'empêche pas de trouver le canal, c'est la fin de tout. Nous pourrions peut-être faire appel, qu'ils révisent leur décision. J'ai déjà tout tenté. Impossible de les faire changer d'avis. Quoi ? Vous baissez les bras ? Vous allez laisser périr la galaxie à cause d'un simple obstacle ? Ce n'est pas parce qu'on a été mis sur la touche qu'on doit déclarer forfait. J'ai foi en vous, Shepard. Je resterai avec vous contre vents et marées. Eh bien. Pardon de vous interrompre, commandant. J'ai un message du capitaine Anderson. Je vous écoute. Il vous fait savoir qu'il vous attend dans ce club des secteurs, l'électron libre. Vous devriez aller le retrouver. On va prendre Vrex. Et Kaidan. Ah. Ouais, vas-y, let's go.
Compensation du différentiel de pression intérieur-extérieur. Livre de bord. Le commandant a quitté le vaisseau. L'officier Presley prend le commandement. Hop là. Donc, si je comprends bien, vous avez passé toute votre vie adulte à étudier des vieilleries protéennes. Je n'ai pas vraiment l'habitude de ce genre de tribulation. Je préférerais étudier nos découvertes au calme, loin de toutes ces explosions. Ah, ça vous fait pas de mal. Une bonne explosion de temps en temps, ça fait circuler le sang. Ok. Donc il nous a dit quoi? Il nous a dit... à l'électron libre. Hop là, on va aller là. Ouf. Électron libre. Let's go. Récupère qui, hein, comment il s'appelle, hein. Anderson. N'empêche, j'ai du mal à avaler que ce soit arrivé comme ça, sans attirer l'attention. Lui aussi, l'agent du SSC a dit que la criminalité avait augmenté dans ce coin récemment. Il a dit pourquoi? Non, il a évité le sujet. Moi je dis, c'est la faute aux humains. Ah, c'est lui. Différent. Content que vous soyez là, je sais pas. J'ai appris ce qui s'était passé. Ils m'ont retiré la mission. Comme lorsqu'ils vous ont obligé à abandonner le Normandie. Je sais, je suis désolé. Je voulais vous prévenir, mais pas moyen de vous contacter avant l'amarrage. Je veux bien croire que vous êtes en rogne. Mais ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ils pensent peut-être que c'est terminé, mais vous et moi, on sait très bien ce qu'il en est. Vous devez vous rendre sur Ilos. Il faut empêcher Saren d'utiliser le canal. Il n'y a qu'un vaisseau qui pourrait me mener dans les systèmes Terminus sans se faire repérer, et il est immobilisé. Tous les systèmes du Normandie ont été désactivés. Mais si nous arrivons à annuler les ordres de l'ambassadeur, nous pourrons réactiver le vaisseau. Vous serez dans les systèmes Terminus avant même qu'on s'aperçoive de votre départ. Si nous volons le Normandie, c'est vous qui prendrez pour tout le monde. Et si Saren trouve le canal, ce sera la fin de notre civilisation. Les moissonneurs nous extermineront tous. Humains, Asari, tout le monde. Vous êtes notre seul espoir, Shepard. Je ferai donc tout ce qui est nécessaire pour vous faire quitter cette station à bord du Normandie. Voler le Normandie, c'est de la mutinerie. Et si l'équipage refuse de m'aider? Le Normandie est à vous, commandant. Son équipage vous suivra aux confins de la galaxie, vous le savez aussi bien que moi. Je n'oublierai pas votre geste, capitaine. Je vous le promets. Je peux réactiver le Normandie depuis le poste de contrôle de la citadelle. Ça vous laissera quelques minutes avant qu'ils se rendent compte de ce qui se passe. C'est une zone interdite, avec des gardes armés en patrouille. Comment comptez-vous y pénétrer? C'est mon problème. Soyez à bord quand je réactiverai le Normandie. C'est tout ce que je vous demande. Vous allez vous faire tuer. Il doit y avoir un autre moyen. L'ordre d'immobilisation émane de l'ambassadeur Houdina. Si je peux pirater l'ordinateur de son bureau, je pourrais peut-être l'annuler. Sauf que pendant ce temps-là, il ne va pas rester le cul dans son fauteuil. Avec un peu de chance, il sera absent. Sinon, je trouverai bien quelque chose. L'ambassadeur Houdina ne vous le pardonnera pas, capitaine. Vous serez accusé de trahison, un crime capital. Les options sont limitées. Soit je pirate l'ordinateur de l'ambassadeur, soit je tente ma chance avec les patrouilles du poste de contrôle. La décision vous appartient. Je vais m'introduire dans le bureau de l'ambassadeur. J'ai un compte à régler avec lui. Vous êtes prêt à vous tirer de cette station, commandant? Allons-y. Je m'occupe des scellés. Allez au Normandie et dites à Joker de se tenir prêt.
Pardonnez-moi, soldat. Je peux vous déranger un instant ? Soldat, la situation est grave. J'ai besoin de l'aide d'une personne pour qui les intérêts de l'humanité sont essentiels. Quel est le problème ? Ah ! Droit au but, j'aime ça. C'est pour ça que l'humanité a la meilleure flotte de toute la galaxie. Elias Keller, négociateur. Je me prépare à entrer en pourparlers avec les Galariens. Et je peux vous dire que pour du lourd, c'est du lourd. Je me bats pour protéger l'humanité, comme vous. Bon, c'est important, d'accord. De quoi avez-vous besoin ? Pour pouvoir servir l'humanité au mieux de mes capacités, il me faut les meilleures ressources disponibles. J'ai besoin d'un stimulant intellectuel qui améliore la vivacité d'esprit et les fonctions cognitives. C'est un produit tout à fait légal, mais dont la vente est limitée. J'ai déjà acheté le maximum mensuel autorisé, et il m'en faut encore. Quelle heure vous êtes accro au stimulant ? Il faut vous faire soigner. Oui, je sais que ça en donne l'impression, mais là, c'est juste un petit dérapage. Tous les négociateurs utilisent des stimulants. La plupart frisent la limite légale. C'est comme ça que ça marche. Alors comment se fait-il que tous les meilleurs négociateurs ne m'aient pas contacté ? Vous avez peut-être raison. En essayant de donner une image forte de l'humanité, je suis allé au-delà de mes propres forces. Écoutez, ce sera la dernière fois que je prendrai ce stimulant. Dès que l'accord sera passé, j'irai en désintox. Promis. Aucun accord commercial n'est assez important pour que vous mettiez votre vie en danger. Lâchez la bride et faites-vous soigner. Vous ne comprenez pas, l'humanité a besoin de moi. Et moi, j'ai besoin de ce stimulant. Sans ça, Je ne sais plus. Quand je n'en ai plus, je suis si fatigué. Il m'en faut juste un peu. Une dernière fois. Tout le monde peut avoir un problème dans la vie. L'important, c'est que vous suiviez un traitement. Vous avez raison. Je vais avertir mon assistant. Je ne devrais pas travailler dans cet état. Je vais me faire soigner. Je ne comprends pas comment j'ai pu en arriver là. Ça craint un peu... La manière dont il parle, le ton qui est utilisé. Faites-vous soigner. Pas très diplomate. Ok, retournons au vaisseau. Votre confrère, Khalisa Al-Jilani, est allé poser quelques questions au célèbre commandant Shepard, le premier spectre humain. Shepard s'est malheureusement abstenu de tout commentaire. Son silence ne fait qu'accentuer les inquiétudes quant à son dévouement envers l'humanité. Des images exclusives seront diffusées aujourd'hui. Salaud. Ok, bon ben on va... Retourner au vaisseau. Tac. Commando, départ imminent. Décontamination en cours. Anderson, mais qu'est-ce que vous faites ici ? Je ne vous ai pas demandé. Ouais, ça c'est... Ça, c'est de la diplomatie, ça. Sortez-nous de là, Joker, tout de suite! Yes! Let's go! Fin du service, les gars. Ok. Dans le journal, ils nous disent quoi ? Donc là, faut aller sur Ilos. Voilà. Oh putain, j'ai... Il y a plein de quêtes qui se sont arrêtées.
Il nous demande de mettre le cap sur Ilos, mais on est obligé d'aller sur Ilos. C'est où Ilos? Oui, c'est ça. Ok, bon, on va aller. On va commencer par la ville locale, après on fera l'astéroïde. Déjà fait, puis après Styx, Breaking Beta, Pyros. Et voilà. Bah, à plus tard.